carrément de la grève possible. Mais dans un contexte de mobilisation, de grève. Ah ben, on est sur un soulèvement populaire qui est en train de se construire avec une véritable convergence entre les syndicats, les gilets jaunes, les jeunes, les écolos, tous les gens qui sont en colère commencent enfin, au bout d'un an, à se dire qu'il va falloir s'y mettre tous ensemble. Quoi. Le combat est le même ? D'une manière ou d'une autre, oui, parce que de toute façon, ce qui est la cause de notre mal à tout un chacun, c'est d'une manière générale tout ce qui découle du système en place, le capitalisme. Le problème des retraites et des points qui vont baisser, c'est de l'appauvrissement du travailleur. Ça fait partie de ce que cherche à faire le capitalisme, de taper dans notre poche et pas dans ses poches, pas dans les poches des actionnaires. Et par rapport à ça, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, je me mets là-haut. C'est pas les mêmes mots, parce que capitalisme est vivant et qui veut mieux dire productivisme, mais globalement, on parle de la même chose. Et je sens dans votre phrase tout à l'heure que vous tirez la sonnette d'alarme depuis un an et que vous sentez quand même qu'à un moment donné, bah enfin, vous avez de l'écho. Que... Alors on va rendre à César ce qui est à César. Les copains du syndicat, ils tirent le signal d'alarme depuis vachement longtemps. Nous, on le tire effectivement depuis un an. Il y a beaucoup de gens qui gueulent. Mais là, peut-être que ce mouvement sur les retraites montre qu'on peut y arriver tous ensemble et arrive à agréger toutes les colères, ce qu'on n'a pas forcément réussi à faire, ou peut-être que la colère n'était pas assez forte. Moi, je sais que dans la marche jeudi sur Auxerre, il y a des personnes qui sont venues me trouver, j'avais le gilet jaune, et qui m'ont dit mais c'est grâce à vous la mobilisation aujourd'hui. Parce que bah, voilà, on a montré aux gens qu'il fallait sortir dans la rue, qu'il fallait se bouger, et il y en a beaucoup, ils attendaient une occasion, des grosses dates, les gens ils aiment bien une grosse date. Là, c'était une grosse date annoncée par les autres médias, y compris avec les gros mouvements de grève au niveau des transports. Et il y a beaucoup de gens qui manifestement trouvaient que c'était la grosse date qui suffisait à bouger. Néanmoins, pour être gilet jaune, on sait bien qu'une date, ça ne suffit pas. Là, il faut construire une mobilisation dans la durée. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec les amis des syndicats qui ont plus l'habitude de construire des choses dans la durée. Vous pensez que ça y est, on est dans une position où on est en pleine convergence de lutte. En tout cas, ouais. Là, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on l'espère, mais là, je pense qu'il y a de doute pour personne. Il fallait voir le cortège à Auxerre, il fallait voir les images des cortèges à Paris. Il y avait du jaune, il y avait du rouge, il y avait du rose, il y avait du vert, on était tous là. Et c'est en y allant tous qu'on va y arriver. Est-ce que vous avez le sentiment que le combat que vous êtes en train de mener, les mobilisations qui sont en train de se faire, c'est contre la réforme des retraites, mais vous vous dites bien que ça va bien au-delà, la mobilisation complètement générale. Mais comme nous, ce qu'a fait sortir le gilet jaune, c'était un épiphénomène de la taxe des carburants, et derrière, ça cachait l'iceberg de réformer un système qui ne met plus l'humain au centre de son fonctionnement. Et là, la retraite est un épiphénomène, c'est juste un symptôme d'un système malade contre lequel la plupart d'entre nous a envie de lutter et souhaite passer à une alternative. Donc on est vraiment sur des épiphénomènes qui arrivent à agréger les luttes, mais l'essence de la colère, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas assez de pognon, parce que le pognon, on va le prendre que dans les poches du peuple, que dans les poches des travailleurs, et qu'on fout la paix aux actionnaires, qu'on laisse s'enrichir. Et vous pensez que le mouvement va prendre de l'ampleur désormais ? En tout cas, je l'espère. Mais nous, on est super bons en espoir, les gilets jaunes. Ça fait un an qu'on espère. On peut continuer. Ouais, c'est pas acquis. J'y croirai quand je le verrai. On y a souvent cru. Donc il y a des choses, maintenant, il faut que je les vois pour les croire. Vous êtes prudente. Voilà. Parce que là, le gouvernement commence à lâcher du lest. On a vu les agriculteurs, on a vu les policiers qui ont obtenu des avancées sur leurs revendications. Et puis finalement, brique par brique, on a le sentiment que le gouvernement est en train de... Ouais, mais comme il a déjà fait ça les autres fois, est-ce que ça va encore marcher? Je suis pas sûre. La colère, elle est là, elle est vraiment là. La question, c'est lundi, combien il y aura de personnes qui seront encore en train de faire grève? Et est-ce que ça aura réussi à faire tâche dans d'autres corps de métier? Pour l'instant, on est vraiment dans les spectatives et on est là pour ça. Et voilà. Mardi, grosse mobilisation. Mardi, ce sera baboum encore, ouais. Il faut, parce qu'ils ne veulent pas partir tout seuls, on va les aider à trouver la porte. C'est quoi le programme mardi? Mardi, ici, il y aura des petites surprises en matinée. Et on a une grosse AG à partir de 11h30 devant la mairie, où inviter tout le monde pour venir s'exprimer et pour essayer de mobiliser et construire la suite du mouvement. Mardi, hyper important, 11h30 devant la mairie à Auxerre.
La G et après ce sera plutôt le matin, les trucs qui swingent un peu. D'accord. Voilà, passer par les réseaux. Secrétaire départemental du syndicat FO des enseignants. Et là, bah, on participe avec l'intersyndicale FO, FSU, Sud et CGT à cette action de tractage. C'est pas la première fois que vous faites ça hein? Non, c'est une action qu'on fait assez souvent quand il y a une mobilisation qui est en train de se lancer pour alerter la population et puis pour leur expliquer un petit peu la situation dans laquelle on est et ce qui cause notre révolte et notre envie de se mobiliser et de se mettre en grève aussi et de bloquer le pays pour faire entendre que cette réforme elle est insupportable et qu'il faut absolument qu'elle sorte. Mais là, on est dans un contexte particulier où justement il y a une mobilisation qui est lancée et qui commence à prendre de l'ampleur et une grève qui se généralise. Alors, vous pensez que là, on est à un tournant? Oui. Ouais. Oui, je pense qu'il y a un vrai enjeu qui est en train de se produire. C'est que clairement, la population, les gens, les travailleurs sont dans le refus de la politique qui est menée, qui détruit l'ensemble de nos acquis sociaux. Et là, c'est vrai que cette réforme des retraites, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait qu'il y a une réelle volonté de dire stop, de mettre un vrai arrêt à cette politique en demandant déjà dans un premier temps le retrait qui sera une première étape pour montrer qu'on a été entendu et puis après à partir de là voilà, pas laisser se dérouler non plus le fil des réformes qui sont prévues et qui vont détruire l'ensemble des acquis sociaux mais au contraire pour nous résister revendiquer et reconquérir les droits qui ont été perdus ces dernières années et qu'on n'a pas réussi à empêcher au niveau de la mobilisation qu'on n'a pas réussi à bloquer et que la situation se dégrade dans tous les corps de métier et c'est bien pour ça aussi que cette réforme des retraites qui touche tous les corps de métier, c'est vrai qu'on entend souvent que c'est beaucoup les transports et les systèmes privilégiés qui sont mobilisés, en réalité non, on le voit là chez les enseignants notamment, jeudi il y avait sur le département 129 écoles sur 380 qui étaient fermées, c'est-à-dire plus d'une sur trois, 70% des enseignants qui étaient en grève, c'est un taux jamais égalé et c'est bien la preuve que voilà, on est tous concernés, qu'il y a une volonté de se bagarrer et de bloquer le pays par rapport à ça et empêcher que cette réforme soit mise en œuvre, parce que c'est, enfin, on l'a vu dans tous les calculs qu'ils ont fait. Le principe même de la retraite par points, c'est de pouvoir faire baisser la valeur du point et donc faire baisser la valeur des retraites chaque année. Et puis même sur sa mise en place, ça va être un rallongement de la carrière, ça va être partir toujours plus tard à la retraite et avec des pensions de retraite qui vont diminuer énormément. Là, chez les enseignants, par exemple, ça peut se monter jusqu'à 1000 euros par mois de baisse de pension de retraite. De vue d'extérieur, on n'a pas le sentiment que les syndicats ont été tellement derrière les gilets jaunes, pardon, mais on a l'impression que là, c'est on se raccroche un peu au wagon, si je puis me permettre. Qu'est-ce que vous en dites? Ah bah, la mobilisation, elle a été menée par les organisations syndicales depuis des années. Si on remonte à il y a un an... Là, vous êtes avec les gilets jaunes, c'est pour ça que je pose la question. Alors là oui, il y a une jonction, en effet, des mobilisations et de la colère par rapport à ce que fait le gouvernement. Après, il faut se rappeler que l'année dernière, avant le 17 novembre, il y avait eu le 9 octobre un grand rassemblement, une grosse mobilisation, une grosse journée à l'appel du syndicat FO d'ailleurs, qui avait été rejoint par les autres organisations syndicales sur des mots d'ordre, qui est sur des revendications qui sont les mêmes à peu près que celles des gilets jaunes et qui demandaient justement l'augmentation du pouvoir d'achat, qui demandaient des conditions de travail améliorées, etc. etc. Donc évidemment qu'on était appelé à se rejoindre, on s'est rejoint déjà plusieurs fois. Puisque l'année dernière, même sur des questions plus précisément d'éducation, sur la question de la carte scolaire et des fermetures de classe, les Gilets jaunes avaient rejoint la mobilisation des organisations syndicales enseignantes. On se retrouve. Évidemment, quand on a des revendications communes, on a tout intérêt à avancer ensemble et plus on sera nombreux, plus on aura le poids pour faire plier ce gouvernement. Et là, vous pensez que c'est le moment où les choses vont tourner en votre faveur dans ce combat? Ah bah, en tout cas, on fait tout pour. Là, la mobilisation et le 5 décembre, ça a été tellement massif que ça fait évidemment un appel d'air et qu'on a bien l'intention de continuer, de faire que cette mobilisation se poursuive. Là, dans l'enseignement, et c'est le cas aussi dans les transports,
la grève a été reconduite dès hier vendredi. Elle se poursuit lundi, mardi. Mardi, il y aura un temps fort très important de mobilisation à l'appel de toutes les organisations syndicales, toutes les centrales syndicales nationales, et qui se concrétisera à Auxerre par un rassemblement devant la mairie à 11h30 et à Sens à 18h au rond-point Leclerc. Ça va être un moment important aussi pour un point de vue visible. Après, les actions sont menées aussi auprès de nos collègues, auprès, là comme aujourd'hui, auprès de la population pour faire entendre nos revendications, pour faire entendre qu'on ne veut pas de cette réforme des retraites et qu'on a tout intérêt à la bloquer, parce que si on ne la bloque pas, après, on risque d'être fort embêté. Reste que, pour être plus agréable jusqu'au bout, désolé, vous êtes quoi, une quinzaine de gilets jaunes, trois représentants syndicaux? Ça mobilise difficilement quand même. Oui, alors après, on est sur un samedi, c'est un peu le jour fétiche des gilets jaunes. Hier, et puis même avant-hier dans le cortège, il y avait des milliers de représentants des organisations syndicales. Après, évidemment, enfin, moi je ne le dis pas, il y a une brèche qui a été ouverte par le mouvement des gilets jaunes et qui a permis de rassurer la population aussi et rassurer les travailleurs sur la possibilité de s'organiser et de se mobiliser dans la rue et de faire entendre que c'est comme ça qu'on peut gagner. Mais les gens ne viennent pas forcément. Aujourd'hui, par exemple. Ah, aujourd'hui, c'est un peu particulier. C'est la première journée qu'on fait suite au 5 décembre. C'est le début. C'est le début. Après, c'est aussi poursuivre, c'est entretenir cette mobilisation, c'est sensibiliser les gens qu'on rencontre autour de nous et faire entendre nos revendications. Après, oui, évidemment, on ne s'attendait pas à être 500 aujourd'hui au rond-point pour faire porter les tracts et pour tracter, pour alerter la population. Dernière question, sans sortir votre boule de cristal, mais vous voyez comment là, le mouvement dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que là on a des échéances importantes, la grosse mobilisation lundi d'abord, les organisations syndicales sont reçues par le voix, mardi il y a la mobilisation générale, et puis mercredi le discours du Premier ministre. Et puis ensuite, on ne sait pas quoi, voilà, c'est surtout les transports qui mènent un peu la bataille par rapport à ça, en tout cas la face émergée de la SDR. Mais voilà, vous voyez comment Alors clairement. Parce que là on parle de convergence de lutte, ça veut dire quoi Nous on est dans la logique de poursuivre la mobilisation, et qu'elle s'arrête au moment où le gouvernement reviendra à la raison et retirera son projet, qui est un projet néfaste pour l'ensemble des travailleurs. Donc, sortir ma boule de cristal, je ne peux pas, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que là, clairement, il y a dans tous les secteurs des appels à reconduire la grève, et pas à reconduire la grève une journée, c'est reconduire la grève et la reconduire jusqu'au bout. Là, l'appel des confédérations nationales à cette journée du 10 décembre, c'est évidemment un point d'appui pour continuer, et puis pour qu'on ne lâche pas, et pour vraiment reconduire et poursuivre la mobilisation jusqu'au bout. Merci beaucoup. Mardi à 11h30 pour poursuivre, c'est devant la mairie d'Auxerre. Voilà. Vous avez eu du beau. Bonne journée. C'est bien vu, il est en couleur. Donc il est encore plus beau celui-là. Hey, voilà. Super, bon courage les gars. Merci, le code sur vous. Bon courage.
possible. C'est hallucinant. Merci de vous appeler. C'est Bayard, vous pensez qu'à ça. C'est comme pour nous, on va faire une